Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, coucou les petits loulous, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait froid dehors, dis donc, ah, gla 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 gla, on se croirait au pôle Nord. Qu'est-ce que t'entends, poupette? Tu veux aller au pôle Nord? Ah, coucou, mademoiselle! Ah non, alors, je ne veux pas aller au pôle Nord, il fait déjà assez froid ici. Mais c'est très beau le pôle Nord, poupette! Ah, peut-être, mademoiselle. Mais moi, je n'ai pas envie de ressembler à un Esquimau. Mais arrête tes bêtises, poupette. Moi, je suis déjà allée au pôle Nord et je me suis bien amusée là-bas, figure-toi. Ah oui, tu t'es bien amusée dans ce grand froid? Oh oui, c'était trop bien. J'ai joué dans la neige, j'ai fait des bonhommes de neige, j'ai fait de la luge, j'ai même fait un igloo. Tiens, à quoi? Un gougou? C'est quoi ça, un gougou? C'est bon? Ça se mange? Stop, 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 poupette! Arrête de m'aider tout de suite! Je n'ai pas dit un gougou, j'ai dit un igloo! Oh non, ne me dis pas que tu ne sais pas ce que c'est qu'un igloo! Si, si, je le sais, mais j'ai oublié! Bon, écoute-moi, Zep, je n'aime pas le froid, un point c'est tout! D'accord, d'accord, poupette! Ah, tu m'as tellement embrouillé la tête avec toutes tes bêtises que je ne sais plus pourquoi je venais te voir. Alors, laisse-moi réfléchir 2 minutes. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Est-ce que tu peux surveiller un instant mon sac à dos que j'ai posé en dessous? Mais bien sûr, mademoiselle, je garde ton sac à dos. Merci, poupette, je n'en ai pas pour longtemps. À tout de suite, je reviens. Dis donc, les petits loulous, je me demande bien ce qu'il peut y avoir dans le sac à dos de Noisette. Attendez, je jette un œil comme ça. Oh, je ne vois pas. Il y a peut-être des gâteaux. Ou du chocolat. Mais oui, tiens, miam, miam, mon petit bidou. Du chocolat, du chocolat. Hé, les petits loups, vous croyez que je peux ouvrir le sac à dos de Noisette? Comment? Je l'ouvre? Ou je ne l'ouvre pas? Criez plus fort, voyons, je n'entends rien. Ah, allez, je l'ouvre. Surtout, les petits loulous, si vous voyez une noisette qui revient, vous me le dites, hein. Je compte sur vous. Je n'en ai pas pour longtemps, je vais voir dans le sac à dos de noisette. Allons voir ce qu'il y a dedans. Ah, poupette, où est-ce que tu vas là? Je peux savoir ce que tu fais? Ah, coucou noisette, tu es déjà revenue? Tu essayais d'aller ouvrir mon sac à dos, c'est ça? Non, noisette, pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'allais le surveiller. Justement, tiens, demande au petit loup. C'est vrai, ça, le petit loup, monsieur Poupette? Il n'allait pas aller regarder dans mon sac à dos? Ouh là là, Poupette! Les enfants n'ont pas l'air d'accord avec ce que tu me dis. Dis-moi vite la vérité, Poupette. Sinon, ton nez va s'allonger comme celui de Pinocchio. Ah non, ah non, ah non, non, pas le nez de Pinocchio, je t'en supplie, noisette. Alors, je t'écoute, Poupette. Qu'est-ce que tu allais faire dans mon sac à dos? Eh bien, je regardais s'il n'y avait pas des gâteaux ou du chocolat. Mais ce n'est pas possible, ça, Poupette. Mais qu'est-ce que tu es gourmand? Tiens, j'ai une idée. Pour te faire pardonner, tu vas aller faire mes courses. Comme cela, ça te fera faire un peu de sport. Allez, dépêche-toi. Bon, d'accord. Au revoir, les petits loulous. Ah ah, ce Poupette, les petits loulous, il ne pense qu'à son petit bidou. C'est maintenant l'heure de nous quitter, mes petits enfants, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris pour une nouvelle petite histoire. Mais d'ici là, pas de bêtises, hein, pas comme